Bonjour Lui. Bonjour Bernard, bienvenue au Yadis. Merci. On va pouvoir visiter ce magnifique endroit. Oui, bien sûr, on va faire un petit tour. Ya top top, wa dalla, ya yqul ana tghayyart ali, ana zal, eh wella. Donc c'était un 5 étoiles. 5 étoiles, oui. C'est très calme et reposant. C'est un endroit très calme et reposant, oui. On a la chance d'avoir des grands jardins, une belle palmeraie. Vous gérez vous-même donc la partie hôtelière, donc les gens sont relativement fidèles. Voilà, on a une bonne partie de notre clientèle qui sont des clients fidèles, qui reviennent régulièrement. Mais qui apprécient le côté convivial de l'hôtel, où on les reconnaît, on les accueille, ils ont leurs petites habitudes. Ils ont même leur numéro de chambre pour certains? Oui, pour certains, oui, exactement. Donc là, on arrive sur la terrasse piscine. Là, on va monter sur la terrasse panoramique du bar, comme ça on va avoir une belle vue sur l'hôtel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais vous emmener faire un petit tour à la plage, parce qu'on a une très belle plage de sable fin. Un très beau restaurant avec des paillotes. Qui est un des points forts de l'hôtel en été. Servi uniquement le midi ou le soir aussi? Alors en été, on sert également le soir. Très bien. La vue est magique, hein? Voilà, donc la plage de l'hôtel. De faire quelques aménagements pour faciliter l'accès à la plage des handicapés, qui est une des conditions pour obtenir le pavillon bleu. Alors le pavillon bleu, ça correspond à quoi? Site d'exception comme ça, voilà, mer accessible? Site d'exception, l'accessibilité aussi. Là, on est en train de, avant d'avoir le drapeau, vraiment, de faire quelques aménagements pour que la plage soit accessible très facilement aux handicapés. Plus faciliter l'accès au niveau du chemin, donc on a fait un passage pour que les fauteuils puissent venir plus facilement, sachant que tout l'hôtel est accessible aux handicapés. Ça, c'est un point important parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels qui ont des facilités pour les handicapés ici. Et on a deux chambres qui sont équipées vraiment pour les handicapés. Alors moi, ce que je trouve très bien, je le dis donc pour les parents qui ont des enfants en bas âge, c'est très sympa parce que vous voyez, ici la mer est très profonde et ce qui est agréable, c'est qu'on peut les surveiller sur quelques mètres. Voilà. Voilà, donc une chambre standard. Voilà, je vous laisse regarder. Merci. Chambre sobre, un petit havre de paix sur le patio.
Merci Olivia. Avec plaisir. Chapeau, parce que c'était un magnifique palais. Merci beaucoup. Et très calme et très agréable. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Pour un 5 étoiles, c'est sûrement le meilleur rapport qualité-prix de l'île de Djerba. Voici ma note.